Bonjour à tous, bienvenue sur Éclat de Verre. Aujourd'hui, on va s'amuser par rapport à le film Abyss à créer et, ou à recréer un personnage extraterrestre des fonds marins, donc en verre plein. Alors, pour cette œuvre, on va utiliser un ponti, donc une canne pleine, mais on ne va pas souffler. Voilà. On va prélever du verre et on va créer sur du verre plein. Alors, premier cueillage. Puis on va laisser refroidir un petit peu pour reprendre de la matière par-dessus, pour avoir plus d'épaisseur et pour avoir aussi une hauteur voulue. Alors en fait, le principe, c'est d'avoir en tête un objet 3D, quel qu'il soit. Et on va pouvoir effectuer toutes les manœuvres avec les bonnes dimensions, simplement en se remémorant les différentes étapes. Alors on profite que le verre est chaud. Voilà. Alors pour ce faire, il ne faut pas que la partie arrière ne bouge. Il ne faut pas qu'elle refroidisse trop. On va s'occuper de l'avant déjà. Donc c'est comme une main palmée. Après, toujours pareil, le verre étant à 1200 degrés avec sa molécule qui fait en sorte qui produit une rétractation assez rapide et un refroidissement. Donc on est toujours aussi obligé de réchauffer, réchauffer, réchauffer pour pouvoir poursuivre l'objet. Donc là, on a créé un tube de verre plein. Sur la poste de la canne, au bout de la canne. Et on va déjà presque préformer le haut de la sculpture et garder au chaud toute la longueur du tube pour pouvoir faire une torsion par la suite. Hop. Et on continue à former un petit peu, voilà, tout doucement, gentiment. Voilà. Donc le petit extraterrestre qui est dans les abysses, on considère qu'il a trois doigts. S'atteler à reformer un tout petit peu les trois doigts. Hop. Hop. Et on crée une petite boule. Voilà. Donc il n'y a que quelques secondes hein, pour arriver à fabriquer ce qu'on veut. Que ça se fige et qu'on se retrouve coincé et d'être obligé de recommencer. Alors là, on va opérer sur la vrille pendant que c'est chaud. Et on va le reprendre d'ici à la suite pour arriver à le vriller, ce qui nous permettra par la suite d'arriver à travailler sur le dessus. On peut chauffer, voire surchauffer. Voilà.
de façon à ce que le tube en lui-même soit très souple. Là, on va pouvoir travailler essentiellement sur le dessus. Allez. Donc on va conserver le tout au chaud et réchauffer essentiellement le dessus. Il faut toucher le verre en partie supérieure, il faut qu'il touche la flamme et on va le rendre quasi semi-liquide en fait, en permettant à tout le reste d'être à la chaleur et de ne pas casser. On voit bien que c'est plus chaud. Et là, on peut commencer à tirer. Donc toujours pareil, hein, choc thermique, c'est bien, ça va pas bouger, un petit peu de goutte d'eau pour créer le choc thermique, voilà. Hop. Donc là on fait une onde de choc et on va venir cueillir le pied. Hop. Hop. Voilà. Et puis avant que ça refroidisse, hop, hop. Voilà. Voilà notre petite bête des abysses. On va la remettre au chaud, à 500 degrés, dans le four de cuisson. Donc là, il faut attendre demain matin et pour le refroidissement complet. Et là, on pourra voir et observer l'objet qu'on a fait du fond des abysses. D'où un extraterrestre. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à Romain, le vidéo, le caméraman. Et merci à tous. Merci, au revoir.